Bonjour les enfants. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire très émouvante. Un jour, un frère a appelé sa sœur pour lui dire qu'il venait lui rendre visite avec sa femme. La sœur était super gênée, parce que son frigo était vide. Tout ce qu'elle avait, c'était des oranges. Elle avait pressé les fruits et réussi à obtenir du jus pour deux boissons. Quand son frère et sa femme sont arrivés, elle était surprise de voir sa belle-mère avec eux. C'était la première fois qu'elle venait chez elle. Elle a servi les deux verres de jus d'orange à la femme et à la belle-mère de son frère. Confuse, elle a mis un verre d'eau devant son frère en lui disant « Je sais que tu aimes ce soda ». Il a bu et a réalisé que c'était de l'eau. Après un long moment, la belle-mère dit « Je ne voudrais pas abuser, mais j'aimerais moi aussi un verre de soda, s'il vous plaît ». Voyant que sa sœur embarrassée et ne sachant quoi faire, le frère lui dit « Ne te dérange pas, je vais chercher la boisson à la cuisine ». Au bout d'un moment, le bruit d'un verre brisé se fait entendre. De retour, le frère dit à sa belle-mère, « Désolé, j'ai laissé tomber le verre avec votre boisson, mais pas de problème, je vais vite à l'épicerie du coin en acheter. » La belle-mère refuse, « Ne te donne pas cette peine-là, je m'en passerai. » Au moment de leur départ, le frère embrasse sa sœur et lui glisse un billet dans sa main et avec un clin d'œil et lui dit, « N'oublie pas de nettoyer le soda que j'ai renversé dans la cuisine. » Et il la regarde avec un sourire rempli d'amour. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette histoire? Moi, monsieur. Oui, toi, Demba. La leçon de cette est, lorsque vous êtes dans une position plus favorable, utilisez-la pour aider d'autres personnes, la lumière rayonne pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Excel. Lorsque vous êtes dans une position plus favorable, utilisez-la pour aider d'autres personnes, la lumière rayonne pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. À plus. Vous étiez en train de regarder notre grand professeur. Mamadou le Vieux. J'espère que l'histoire vous a plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner et activer la cloche de notification. Que Dieu bénisse la République BCM. Que Dieu bénisse BCM TV.